Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Total War Warhammer 2 sur Planète Total War, du coup avec Karl Franks en légendaire toujours, où on était resté les amis en dernier épisode avec la... on avait sécurisé du coup notre province principale, enfin la première province, la province du Reikland, qu'on avait passé du coup, on avait passé Aldorf niveau 2, on avait fait la bataille pour Elengard, la bataille pour Elart, là on va avoir une petite rébellion qui va pop, on s'est positionné pour la réceptionner, on va aller faire la petite bataille de quête pour avancer un petit peu, et on va sûrement, j'ai dit sûrement parce que je sais pas encore, déclarer la guerre à Nuln pour aller choper tout simplement la ville de Nuln, et puis prendre les preneurs de crâne, sachant que Nuln, ils ont pas l'air d'être alliés, ils ont juste un partenariat commercial avec les nains. Donc on s'en fout un peu. Donc voilà pour l'objectif. On avait tenté de faire des petits points diplo qui n'avaient pas fonctionné pour le moment. C'est normal, c'est le début de partie. On espère que ça va aller en s'améliorant. Voilà pour le but. Mais je vous le dis en début d'épisode, ça changera un petit peu. N'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo pour faire avancer un petit peu la chaîne, la faire mieux révérencer. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire également hein, sur le let's play. Comme je vous dis, là ça sera à la fin de ma session de tournage. Donc j'aurai fait mes 3 épisodes, je prendrai en compte tous vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas également à vous rendre sur la chaîne Twitch de Planète Total War, hein, bien entendu. Si vous aimez ce type de let's play, n'hésitez pas non plus à vous rendre sur ma chaîne principale, enfin ma chaîne personnelle plutôt, où vous avez deux let's play solo et deux let's play cop qui sont diffusés en permanence. Voilà, sachant que il y a possibilité peut-être un jour aussi que vous me voyez sur Twitch. Donc n'hésitez pas à y aller, donc vous tapez Planète Total War sur Twitch. N'hésitez pas à follow la chaîne aussi, ça coûte pas grand chose, enfin, ça coûte rien en fait, hein, tout simplement, c'est zéro. C'est juste un petit clic de votre part et ça nous permet de voir que vous suivez les séries, ça nous fait énormément plaisir. Donc merci déjà d'avoir de suivre cet épisode et cette série. Et je vais espérer vous transporter le plus loin possible dans les fins fonds même du Nouveau Monde avec l'Empire. C'est rare hein, quand même, hein. Une petite bataille entre l'Empire et les Skaven, je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas dû souvent voir. Parce que soit faut monter ici pour avoir une pauvre ville Skaven, soit faut descendre vers Scarogne. Mais généralement, on est quand même relativement loin, elle est là, pardon. Soit il faut aller carrément tout au sud du Nouveau Monde. Je pense que c'est quelque chose qu'on... J'ai bien envie de me lancer ce petit défi et de faire ça. Écoutez, donc on va passer le tour de toute façon. On se retrouve comme d'habitude au début du nouveau tour, hors événement majeur. Mais bon, qu'est-ce qui pourrait se passer entre les tours en ce début de partie? Pas grand-chose, en tout cas j'espère. Allez, à tout de suite. Donc, petit événement. Festag, assez sympa. Donc un festag supplémentaire pour moins 1000 de trésor, donc de l'ordre public en plus, ou des taxes. Ou des taxes qui nous baisseraient l'ordre public et qui nous augmenteraient le taux d'impôt. J'ai besoin de thunes, je suis désolé, ça nous fait 100 thunes en plus, c'est pas énorme, mais comme on a une seule province pour l'instant, on peut se permettre de faire cet événement. On va aller dégager la rébellion. Oh, ils sont déjà rang argent. Normalement, on perd rien. Ah, bah si, on a perdu des lanciers de base. C'est pas très grave. On va prendre le commandement. On va devoir attendre. Du coup, on va se remettre à Aldor pour régène au max. Voilà. Il nous faudra quand même un tour et on va recruter des lanciers avec bouclier. Donc, c'est pas très grave. On va prendre le dégât des tirs au niveau 3. Donc, la plus 12% de dégâts des tirs. Avec 20% de munitions, donc comme on en a quand même 4 plus 2 pistoliers, je crois que ça marche sur les pistoliers ou pas, hein, les arquebusiers, les arbalétriers, les pistoliers, ouais. Donc du coup nickel, ordre public plus 2 dans la province locale, donc c'est parfait, portée de déplacement plus 8 pour Karl Franks, on est à 0 avec le malus, donc on est bien, on continue toujours à prendre de la croissance, dans 2 tours on est ok, grosse armée annule, hein. ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Grunebourg, il me faudrait une garnison aussi. Hein. Ouf, il me faudrait des garnisons de partout. Il me faut des garnisons de partout. Peut-être pas Elart, mais. Mais bon, on va être comme ça. Comment ça se passe? Le Wissenland.
Welcome, my countrymen. Who calls? Welcome, my. C'est dur parce que j'ai envie de faire des accords quand même, hein, mais j'ai envie de faire des accords commerciaux et. Et c'est dur quoi. Parce que le problème c'est que si je fais pas d'accord, je peux pas avancer diplomatiquement avec et du coup. Et eux ça baisse avec BC quoi. C'est insupportable. Il faudrait que je déclare la guerre à Marienbourg éventuellement. Ils ont quoi Marienbourg? Ils ont une province encore. Il doit avoir ça. Je vais. Après du coup c'est dire qu'Elart potentiellement serait exposé. Je vais voir si tu peux faire un. Est-ce que c'est possible d'avoir ça et ça en échange de Marienbourg? Non, et juste. Ouais. C'est pas évident hein, parce qu'Elart, le problème c'est que j'ai pas de garnison donc. On le fait, on est obligé de le faire. On est obligé de le faire parce qu'il faut que ça avance au niveau des relations diplomatiques. Donc on va rester comme ça, on a dit qu'on faisait une petite régène, donc Elart éventuellement a passé la ville niveau 2. Si je fais le calcul, j'aurai 1006 et 1004, ça fait 3000, et il nous manquera 200. Bah tant pis. Hop, et bah écoutez, on va stopper là ce tour, et puis bah, on se retrouve au début du prochain tour. Donc encore un peu de bonus d'ordre public, plus 1 avec l'événement strict, donc ça c'est bien, et on s'y attendait. Hop, ce qui va nous faire changer nos plans. Ah, ça a une belle petite bataille contre Marienbourg à 20 contre 20. Alors par contre c'est quand même dingue que Marienbourg n'aille pas récupérer Marienbourg justement, et aille sur ma ville à moi quoi. Je veux dire, c'est quand même incroyable, hein. Tout ça pour prendre un accord commercial avec la Bretonie, ils sont même pas très contents en plus de l'avoir avec moi. Non, bah, on va la perdre, heureusement que j'ai rien recruté dessus. Bon, j'ai rien construit dessus, et puis ouais, on va être à 20 contre 20, mais un peu amoché. Après c'est toujours pareil, on a la Risgard. Donc on se retrouve ben, pour le prochain tour où là ça va être la folie. Dans un tour on a le surplus de population. Alors est-ce qu'on va l'avoir, ce surplus de population, du fait qu'on se fasse prendre Elart? Je suis pas sûr, j'espère beaucoup. Faudra construire le forgeron aussi. Donc beaucoup de bâtiments à construire. Bâtiment, ah, c'est pas si mal qu'elle soit là cette armée, ça nous permettra de faire le point. Ouh là là, j'espère que eux vont pas. Alors c'est du gobelin de base, mais ils sont en guerre contre quoi? Les imbéciles de l'Uncrochet, le clan de Grund et les Karaknorn. Faut pas qu'ils me déclarent la guerre, c'est tout. Allez, bah écoutez, on passe le tour, et cette fois il risque de se passer des choses pendant ce tour, enfin même sûrement avec Marienbourg. Donc on s'y attendait, ils nous attaquent, donc énormément de lanciers là. Ouh là là. Hop, on va la faire en auto, ça sert à rien. Ils me la prennent pas. Je vais laisser la fin du tour ici. Ah, ils vont vers Caroubourg. Ce serait pas mal que vous récupériez Marienbourg. Moi, je vous la pique. On va se mettre en mode embuscade, je pense, devant Elart. Après, ils sont capables de me prendre Aldorf. T'as commencé qu'ils ont encore une armée full, c'est quand même fou. Hein. Des hommes bêtes. Ouais, on a la rébellion en plus. Ouais, c'est dur. Et ils ont la range en plus pour venir en mode marche ici. Oh, ouais, c'est horrible. Hein. Faut que je passe ça au niveau 3. I am prince and emperor. Yes, to unite the provinces.
Si je viens de désimposer la province, ça se passe. Ouais, je passe à 191 de revenus. Au moins, je gagne un tour. Faut que je me mette en mode. Faut que je me mette en mode embuscade là. On va se mettre en mode embuscade ici. On va répa. Comme ça, ça me donne un tour pour réagir. Ah, c'est pas facile hein. Bon, ça a l'air d'augmenter. Tout le monde est en guerre contre Marienburg, Norland aussi. Est-ce que vous voulez un accord commercial du fait ? Non, ils veulent pas. Ça, c'est le Middle Land. Ouais. Le Middle Land n'est pas en guerre contre Marienburg de mémoire. Non, ok. Donc, il n'y a plus qu'à espérer qu'il tombe dans l'embuscade. Et il faut qu'il tombe dans l'embuscade parce qu'autrement. Du coup, on va enlever ça en fait. On va laisser ça. On va passer et on va passer le tour et du coup ben on espère qu'ils vont venir s'empaler sur nous. Ils sont 20, on est 20. Ou alors qu'ils se fassent éclater par une grosse cœur de pierre. En tout cas, faut qu'ils fassent quelque chose pour qu'on puisse aller sur Aldorf le prochain tour pour remater la rébellion là. Pour remater la rébellion, même si là du coup on est 14, il y a quand même du lourd, on a de la resgarde, on a des chevaliers, on a des joueurs d'épée, mais ça va être trop tendu autrement. Heureusement on se fait laisser tranquille du côté est et sud, donc on va passer le tour, et puis bah, on se retrouve tout de suite pour, on espère une embuscade, ou au mieux une fuite de Marienburg, mais pas une, je sais pas, ça va être compliqué. Allez, tout de suite. Donc les coquins, ils sont là, et oh, ça peut être pas mal ça, tiens. Une petite ferveur de guerre, on en a bien besoin avant de faire la bataille de Marienburg. Donc, rébellion imminente au Reichland, on le sait, on va réimposer à la province pour gagner de la thune. Et là, il va falloir qu'on pète Marienburg maintenant, sachant qu'ils sont en mode campement, donc ça veut dire qu'ils ont aussi un campement plus 5 et une défense en mêlée aussi. Donc, ça va être chaud. Puisque du coup on va la faire, bien entendu. Et ils auront ce boost de défense en mêlée. Donc on compte sur notre esgarde. Et on prie pour que ça se passe bien. Sur ce que j'ai vu, ils ont quand même beaucoup d'unités de lanciers. Ils ont quand même un peu d'unités de tir. On en a un peu plus. Après, c'est notre CAF qui peut faire la grande différence. Après, concrètement, lancer contre Breiter, c'est le Breiter qui gagne. Hein. On a les dégâts améliorés, faut pas oublier aussi, faut en profiter, faut aller choper leur arbalétrier. On est à terrain plat, c'est pas mal, c'est pas si mal que ça. Va falloir qu'on soit technique. Ils sont comment? Ils sont... alors, ils ont leur lance-projectile sur le devant et un peu sur le côté. Pas mal. Là, ils ont du lancier. Ouais, ils ont vraiment alterné lancier-bretter. Ce qu'il fallait faire. Je pense que le mieux, ça serait de faire ça. Guerrier arbalète. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse comme ça. On va se refaire la même que tout à l'heure. On va les foutre ici. J'ai bien envie de faire comme ça. J'ai envie de faire un truc du genre où on est bien, bien écarté comme ça. Genre eux qui soient là. Eux genre, qui ont un groupe 3, eux qui ont un groupe 2, eux qui ont un groupe 1. Vous pouvez rester là, ça me dérange pas, vous tirez en cloche. Et eux qui ont un groupe 4, qu'on mette ici. Et qu'on aille du coup sur les flancs. Et notre Karl France, le rat de commandement, malheureusement, elle sera pas bien détaillée, mais c'est pas grave. Elle sera bien écartée. Ok, je pense que du coup, c'est ce qu'on va faire. Ils avancent, on va se mettre ici. Le but, ça va être de venir comme ça.
on va les faire bouger de toute façon. Hein. Alors c'est juste la race guard qu'on va faire bien contourner. Mais alors vous, si vous avez une bonne portée, on va vous faire déplacer un peu comme ça. On va vous mettre comme ça, groupe 2, on va enlever ça, groupe 3, on va l'enlever aussi. Allez, on va venir derrière. Ouais, je pense qu'ils vont avancer. Allez, la race guard va falloir aller l'amener là. Pareil, c'est pour les faire avancer. Allez. Non, ça devrait être suffisant pour les faire avancer, j'espère. Complètement éclaté leur armée. Hein. Voilà, parfait. Ça va les forcer à bouger. Allez, on passe par derrière. Allez, go. On avance. Allez, viens là. Allez, vous allez me kite les lanciers. Allez, on recule un poil. Allez, là on dégage. Ok. Là on se met ici. Allez, Karl Franks, go dans la mêlée. Tu vas venir ici. Ok, on se met ici. Là on va se mettre là. On va se mettre là comme ça. Là on va se mettre là. Là on va se mettre là. Et là aussi. La race guard, tu vas te mettre là. Allez, go là. Allez, go ici. Ok. Là on se place ici. Allez, go. On se met là. Go ici. Là c'est bon. Ok, là go. Là-dessus. Allez, parfait. Donc la race guard qui a fait le taf là face au lancier, c'est parfait. Ok, vous là-dessus, là ça tient. Allez, les pistolets, vous allez là-dessus. On continue là-dessus. Vous allez venir vous placer là maintenant. Allez, la race guard qui a fait le café, guerrier arbalète là-dessus.
Allez, on tape là-dessus maintenant. Là, on se met là-dessus. Ok, ici, ça a fui. On va se positionner ici. Allez, la Rise Guard, c'est bien. On continue à péter les guerriers à arbalète. Là, on revient. Là, on pète ça. Ici, on se met de ce côté-là. Ici, on se met là. Allez. Donc là, c'est parfait. Vous, c'est parfait. Où est la Rise Guard? Groupe 4, elle est là. Donc là, elle fait le taf. On va sur la milice des franches compagnies, ici. Ici, on se met là. Vous, vous allez là-dessus. Vous, vous retournez là-dessus. Ouais, parfait. On a bien réussi à contourner. Là, par contre, Karl Franks, ce serait pas mal que tu ailles directement là-dessus. Allez, on va accélérer. On en tue le maximum possible. Allez, la Rise Guard là-dessus. Ouais, les pistolets qui sont bien là. Ah, il a Rise Guard. Essaye d'arriver avant. Passer en mode mêlée. Allez, mets-moi une petite charge. Ah, ils sont arrêtés, quoi. Bon, bah, nickel. Oh, victoire de justesse, je suis pas trop d'accord, mais... Encore merci à notre S-Guard hein, qui est passé rang silver. Notre milice qui a bien taffé, bien contourné. Ah, ça va nous permettre d'engranger de la thune, ça. Victoire de justesse, ouais. Je suis pas trop... Pas trop de cet avis-là, mais bon. Bon, c'est bien, ça a XP. Il me faut plus d'arquebusiers. Et ce sera, il me faut la force, je crois, pour avoir les arquebusiers. Donc, il y en a encore un peu de temps. Bon, après, Bretter contre Lancier, c'est normal que ça gagne de mon côté. Et puis notre... on a déployé beaucoup mieux que les arquebusiers. On peut prendre 900 de thunes. Pas des masses hein. Alors je pense qu'on va prendre la régène parce qu'on va aller les poursuivre. Allez, hop. Allez, auto. On va prendre la fille. Parfait, allez, hop, on se remet normal, voilà, j'ai de la chance, ils ont fui de mon côté, on va se mettre ici, à Aldorf, on se prépare, il y a la rébellion, j'espère juste que les tribus d'orc vont pas nous saouler, alors, on a la forge puissante, ça c'est pour plus tard, les joueurs d'épée, donc ça peut être bien, et bonus de charge pour la Rise Guard, et après ça nous donne quoi? De l'armure pour les chevaliers, ouais. C'est pas foufou. On peut prendre de l'ordre public, de l'intégrité. On peut rendre un peu plus tanky Karl Franks. Écoutez, je pense que du coup, le but, ça va être de partir là-dessus quand même. Hein. Parce qu'on a des joueurs d'épée, des chevaliers de demi-griffon, on va en avoir dans notre armée principale, c'est sûr. Donc on va rester comme ça. On a nos 3000 de thunes et on n'est plus qu'à 3 tours. Donc là, je vais pouvoir réparer ça. Là j'ai peur en fait, j'ai peur d'eux, je sais pas ce qu'ils vont faire, ils peuvent me tomber dessus et raser Elhart et Imgart, donc on va éviter de dépenser notre thune dans ces villes là pour l'instant, et on va se concentrer pour l'instant sur mater la rébellion d'Aldorf,
Éventuellement, Grunebourg, j'aurais pu passer la ville niveau 3, mais bon, il manque du surplus de population, là. Ouais, dans deux tours, dans deux tours. Dans deux tours, je mets une petite garnison. Pas mal de croissance, là. Là, je prends 125 de thunes en plus. On est 1720, c'est pas mal, 1720, alors qu'on a une armée full. On est bien, bien, bien. De toute façon, là, on va passer, hein, on va faire peuple la rébellion et on passe le tour. Donc, on se retrouve le prochain tour pour mater la rébellion, se faire un peu plus de thunes encore. Et on sera plus qu'à deux tours de pouvoir construire nos bâtiments. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de thunes. Hein, il faut qu'on économise à fond. Donc, j'espère que ce que je viens de faire sur Marienbourg, ça va. Ça améliore nos relations avec Louan. Il va être content. Ça devrait améliorer aussi les relations avec le Nordland. Donc le Nordland, pour l'instant, ils veulent plus commercer maintenant, alors que ça peut monter jusqu'à 38. C'est pas si mal. Le Stirland, on va attendre, et l'Ostland aussi. Donc pour l'instant, on va stopper ce tour ici. J'espère juste que j'ai pas à lancer le tour entre les streams pour vous dire qu'il m'attaque. On se retrouve donc du coup tout de suite, et il faudra qu'on fasse la bataille de quête aussi. Allez, à tout de suite. Donc la rébellion qui a pop, les hommes bêtes qui sont partis, regardez, ils sont là, ils sont beaux. Le Nordland leur a déclaré la guerre d'ailleurs à la tribu des cornes rouges. Donc ça c'est pas si mal. La Bretonnie qui recrute toujours, bon, s'ils passent sur mon territoire sans trop le toucher, ça me va. Hein. On va aller mater la rébellion. Et puis 92. On va la faire parce que là je vais perdre trop d'unités. Soit parce qu'ils sont rang silver, ils vont se faire éclater. 37 de dégâts à distance, les escorteurs, hein, avec perce armure. Projectiles perforant les armures. Par contre, nos pistolets avec 42 de dégâts à distance, c'est pas mal aussi. De toute façon, on va se mettre une frontline d'unité de tir, je pense, déjà. Regardez, ils sont comme ça. On va se faire un placement à la Kikou. Hop! Groupe 1. On déverrouille. Vous allez être le groupe 2. Ça sera le groupe 3. On va le verrouiller. Alors, c'est vraiment le placement Kikou là. Hop! Et on dégage cela. On va les tirer comme ça. Groupe 4. Allez, groupe 4 ici. Groupe 2, on se met comme ça. Groupe 1, on attend. Groupe 1, on avance un peu. Groupe 3, on avance aussi un peu. C'est quoi qu'ils ont mis devant des escorteurs du coup? Du coup, on va placer ça comme ça. On a dit que eux, ils allaient là. Groupe 3, on est ok pour l'instant. On va verrouiller, je pense, et on va aller leur demander de tirer. Ils tirent comme ça, ils tireront en ligne droite. Vous, pareil, vous allez vous avancer un peu juste là. Allez, avancez un petit peu. Hop. On les fait un peu tourner en bourrique. On va bientôt pouvoir commencer à tirer. Allez, hop, on se met là, et vous, on vient là. Allez. Allez, on les flanque. Et là, c'est quoi? C'est des lanciers. Du coup, hop. Allez, go là-dessus. Allez, on continue à contourner. Et ils nous veulent, hein, les lanciers ici. Hein. Allez, on se fait pas intercepter, les gars. Allez, voilà, on jette les lanciers.
Allez, on continue et on fait une petite charge ici. Allez. Allez, on continue là-dessus pour se désengluer des lanciers là-bas. Allez, c'est bien, on continue comme ça. Allez. On englue les lanciers. C'est des lanciers ici, les pauvres. Hop. Il y a du lancier de partout. Hein. Allez, sur l'arquebusier. C'est où, Karl? Vous, vous allez dégager, vous partez en retraite. J'ai pas envie de vous perdre. Bon, allez, ça s'appuie. Ça plie. Allez, hop. C'est bon, on a tué le seigneur ennemi, donc normalement ça devrait être bon. Allez, finis-moi eux aussi, les bretteurs en silver, là. Bon, allez, hop. Bon, bah, parfait. Une rébellion de Maté. On va pouvoir bientôt stopper là, cet épisode. C'est toujours nos unités de tir qu'on fait le taf. C'est normal, c'était placé pour. C'est bien, prenez de l'XP mes petits. Prenez. Parce que quand on va aller affronter du mort, ça va pas être la même. Il va bien falloir que tout le monde soit XP. Faut qu'on fasse cette quête hein, pour avoir notre sorcier. Notre sorcier, on l'a toujours pas pour l'instant. Ça va être l'objectif du prochain épisode. Faire cette quête, cette bataille de quête. Pour l'instant, on était trop occupé entre Marienbourg et stabiliser notre province. $432, c'est pas assez. On va se prendre 2% de taux de reconstitution, mais c'est vraiment nul hein, ce qu'il a, Karl Franks. Hein. Oh là là. Allez, ennemi tué au combat, on prend un niveau. Je crois que je vais aller sur l'attaque éclair dans pas longtemps. Écoute, pour l'instant on a déjà pas mal de choses. Taille de l'aura de commandement plus 50%, ça peut être vraiment pas mal. Je pense qu'on va prendre ça. On est à 2 niveaux de l'unité de Ronan. $42. Ok, du coup on se met à Aldorf. On se régène tranquillement. On prend des bonus. On prend encore de l'ordre public. On prend une arme. Dégâts des tirs, mais bon, on ne tire pas notre Karl Franks. Donc pour l'instant on s'en fout. On a 5000 de thunes, on va les garder. Hein. On va les garder pour l'instant. Grunebourg, on a dit dans un tour. Dans un tour, il va falloir qu'on dépense aussi un peu à Grunebourg. Ça nous coûte 3002, c'est ça? Ouais. Putain, c'est chaud. Hein. Elle nous rapporte combien cette bataille de quête? On sait pas. Bon, de toute façon, on va se régénérer et on va la faire. Hein. Il faut qu'on avance là, sur cette quête. Bah écoutez, on va s'arrêter là du coup hein, pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. On aura pas fait grand chose en termes de stabilisation, hormis qu'on aura passé quelques tours et on sera plus qu'à 2 tours, donc à la fin du prochain tour, à 1 tour de notre ville niveau 3, qui va nous permettre d'avoir alors d'abord une armurerie et après de monter la pension pour chevaux pour avoir des chevaliers. On passera aussi ça niveau 3, donc ça nous donnera rien du tout en fait, un capitaine. Ça nous donnera un capitaine, ça nous permettra par contre de passer le port au niveau 3, et le port au niveau 3, ça nous double nos revenus commerciaux. Et ça nous déverrouille une techno en plus. Donc ça pourrait être pas mal.
Après, on a rien de foufou et on aura ça aussi, 45 fournées pour le commerce. On va finir par un point diplo. Yes. Avec le Midland, tiens. Un petit accord, friends? Non. Il veut pas. Nordland, il veut rien non plus. Wisseland, on a dit qu'on évitait. Le Stirland, on évite aussi. Et l'Osland. L'Osland, pourquoi pas? Non. Bon, bah tant pis pour vous. Tant pis pour vous, tant pis pour moi aussi. L'esplay, c'est difficile. Hein, enfin, pas difficile, mais on avait fait un bon début. Après, on est que tour 12, hein, vous me direz. On est tour 12, on a quand même notre première province et on a notre ville niveau, 4, niveau 3 bientôt. Donc finalement, c'est pas si mal que ça. Mais on avait un début du tonnerre où on a réussi à prendre la vue, le Grunburg au tour 1. Après, Elmgard et Elnart, on les a aussi prises rapidement. Après, c'est Marienburg qui nous a retardé un peu. Et puis, c'est Rébellion. C'est les rébellions, donc il va falloir qu'on ait un bâtiment d'ordre public aussi. Hein. Je pense que le problème, c'est que... Ouais. Il coûte 1500, mais je pense qu'on va le faire maintenant. Après, c'est Elmgard, ça m'embête de construire un bâtiment là sans garnison, en fait. Ça m'embête vraiment, vraiment. Donc, ce sera à voir. Ce sera à voir. Du côté de Baston, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'envahir... le poste de la pierre noire, mais avec la cave, je sais pas comment ils vont faire pour le prendre. Ouais, c'est imprenable. C'est imprenable pour eux. Côté de la Bretonnie, ils dorment depuis tout à l'heure sur. Ils dorment à Marienburg depuis tout à l'heure. Après, du côté de l'Est, j'ai l'impression que ça avance pas tant que ça. Du côté. S'il y a quand même les vents de Karstein, y compris le Mout. Du coup, bon, ça, on s'y attendait. Hein. J'avais dit qu'il y avait 90% de chance, ça s'est produit. Même 99%. Les Tempelhof sont toujours pas. Résistent toujours au Château Tempelhof. Bon, je pense que c'est qu'une question de temps avant que Manfred mette la main dessus. Après du coup il va falloir compter sur les vampires hein. Il va falloir compter sur les vampires qui vont sortir de leur terre morte là. Regardez ces petits coquins, ils vont sortir, ils vont aller bim sur Weirdbad si c'est pas nous qui allons avant, ils vont la prendre et ils vont nous saouler parce qu'ils vont nous envoyer des raids de morts vivants ici là. Ça va être chaud, nous il va falloir qu'on fortifie, de toute façon Aldorf au niveau 3 elle va être bien plus fortifiée, il va falloir vraiment qu'on recrute, qu'on ait quoi recruter. Il va falloir déjà qu'on se régène. Donc bah écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme dit précédemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Planète Total War. N'hésitez pas également à liker la vidéo pour l'aider à... un bon référencement. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis du coup à très très bientôt la semaine prochaine du coup pour le 4e épisode de Karl Franks. Allez, à bientôt.